Wow! Wow! C'est beau! C'est beau! Souligner que le débat, me semble-t-il, que nous avons est un débat politique d'abord, qui doit être pris comme tel. Regardez, Et il y a après, Hugo Bernalicis devant qui c'est une question technique à avoir, mais c'est d'abord une question qui a la politique. tête sur Twitch. C'est trop bien. Faites des screenshots, c'est Remercier énorme. C'est Mathieu Orphelin qui est en train de parler. qui actuellement commande ces débats sur Twitch. C'est pas souvent que les débats de l'Assemblée nationale en commission sont commentés pour les jeunes sur les plateformes. Donc hâte de voir ce qu'il dit de tous ces débats. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et la parole est à Monsieur Gérard Leseul et à lui seul. Il faut donc avancer en faisant preuve d'un peu plus de pédagogie pour entraîner les acteurs du secteur qui ont tous joué le jeu des règles sanitaires et qui ont adapté leurs locaux. Continuez, monsieur Guérini. Excusez-moi, quand nous débattons, continuez, vous criez. Quand nous ne débattons pas, vous pleurez. Régulez vos émotions, ça nous fera du bien. Et dans ce moment où justement... On a un super beau plateau, je suis super content. Ça fait émission littéraire. Tu déconnes ou quoi? Eh, vous savez que la table basse là, qu'elle a, c'est avec cette table basse là que j'ai interviewé le Premier ministre. C'est sur cette table basse là que j'ai interviewé les 10 ministres qui étaient venus pendant le grand débatton. C'est sur cette table basse là qu'on a interviewé Étienne Klein, Anne Hidalgo, Cécile Duflot et tous les autres qui étaient venus pour le climaraton. C'est la table basse qui a été utilisée par Hugo pour l'interview d'Emmanuel Macron. Et c'est depuis l'interview d'Emmanuel Macron que la table basse elle est toute pétée. Du coup, on a décidé collectivement que c'était à cause d'Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, non, c'est juste qu'elle a été trimballée dans le camion un peu à l'arrache à l'époque. Du coup, elle est un peu pétée, mais on la garde parce que c'est la table basse de Macron. Ah, elle est vraiment défoncée de partout. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, tu sais, c'est Arthur, à chaque fois on la trimballe dans le camion, à chaque fois elle se balade partout. Non, mais moi je pense qu'on va la garder le plus longtemps possible cette table basse. Aujourd'hui on reçoit une table basse de renom. Ouais, ouais, carrément. Ça fait drôle de voir tes oreilles, dis donc. Pourquoi tu dis ça? Ah oui, bah oui. Eh oui, j'ai pas de cas. Non, mais t'as vu ça? Eh, j'ai un micro-cravate. Vous avez vu un peu le niveau de professionnalisme du bordel? J'ai un micro-cravate et j'ai été maquillé. Eh. Ça risque d'être bizarre cette année puisque le vote par correspondance va sans doute décaler les résultats définitifs. Ça va absolument être extrêmement bizarre cette année, pour cette raison-là exactement. Il y a déjà 34 millions d'Américains, je crois, qui ont voté, soit en avance, soit par correspondance. On ne connaîtra probablement pas le nom du vainqueur de l'élection le soir de l'élection. Déjà que c'est compliqué de faire une nuit américaine, ça dure des heures, c'est compliqué, etc. Ça n'a rien à voir avec la France, hein, vraiment, le fonctionnement américain. En France, à 20h, on a le résultat. C'est des estimations sorties d'urne, mais en fait, on a le résultat, on sait ce que c'est, quoi. Ça veut dire quoi, sortie d'urne? Les élections en France, c'est pas compliqué. Il y a une journée de vote. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h du matin, à peu près, je crois, de 8h du matin à 18h le soir, avec 2h de plus pour les gens qui habitent dans les grandes villes. Et donc les gens ont jusqu'à 20h pour voter. Et ensuite, le dépouillement commence. Le dépouillement est assez rapide. Toute la journée, pendant les opérations de vote, il y a des instituts de sondage, des instituts d'enquête d'opinion qui posent des questions aux Français une fois qu'ils sont sortis du bureau de vote. Ils ont des enquêteurs qu'ils envoient à différents bureaux de vote, qui sont des bureaux de vote test, qui sont des bureaux de vote témoins partout en France. On centralise tout à Paris. Et du coup, ça permet à 20h pile d'avoir une estimation très fiable des résultats de ce qu'il y a dans les urnes. Alors qu'aux États-Unis, ça ne fonctionne pas de cette manière-là, puisqu'il y a bien un jour de vote aux États-Unis, mais il y a deux choses particulières aux États-Unis. D'une part, il y a la possibilité pour certains États d'organiser un vote à l'avance, donc il y a des gens qui peuvent aller voter en amont, plusieurs jours, ou voire plusieurs semaines avant. Et puis il y a un autre truc aux États-Unis qui s'appelle le vote par correspondance. Et le vote par correspondance, les gens peuvent voter par courrier, et ils ont, ça dépend des États, je rentre pas dans le détail, ils ont jusqu'au jour du vote pour envoyer leur courrier. Ensuite, une fois que le courrier arrive, il faut qu'il soit dépouillé et que du coup les résultats soient comptabilisés. Résultat final aux États-Unis, on met du temps à l'avoir. La plupart du temps, le soir de l'élection aux États-Unis, on pouvait affirmer que tel candidat ou tel autre avait obtenu une majorité de grands électeurs. Donc c'était bon. Enfin, je veux dire, on connaissait le nom. Sauf que là, cette année, à cause du Covid, énormément d'Américains ont voté par correspondance. Et donc, du coup, le temps que le courrier arrive, ça veut dire que le soir de l'élection, on n'aura que le résultat des gens qui auront voté le jour J. Mais il manquera plein de bulletins qui arriveront dans les jours qui suivent. Désolé, mais je me pose une question depuis tout à l'heure. Pourquoi l'aspirateur robot, il a son propre ventilateur? Essayez de vous concentrer 2 minutes, putain, on parle de choses sérieuses là, merde. C'est à quelle heure le discours de 20h? Putain, non mais vous êtes beaucoup trop dissipé, non mais c'est pas possible, moi je... Vous êtes beaucoup trop drôle, mais vous êtes trop dissipé. C'est compliqué quand même.
Mettez-vous à ma place. Bah non, mettez-vous pas à ma place, parce qu'il n'y a pas assez de place là dans l'appart. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Est-ce qu'il y en a qui sont complètement largués, qui ne savent pas du tout ce qui va se passer, à quoi on va assister, etc. À quel point est-ce qu'il faut que je refasse de la pédagogie? Donc Emmanuel Macron, c'est le président de la République, d'accord? On habite en France. Oui, alors voilà, c'est ça. Bon, je refais l'histoire globalement. Il y a 13 milliards d'années, il y a eu un gros boom. Après, il y a eu des nuages de gaz qui, par effet de machin, avec la machin, bon, ça a créé des étoiles qui ont créé de l'énergie, qui ont rayonné. Autour, il y a eu des amas de trucs qui ont créé des planètes. Il y a une grosse boule de feu qui est devenue la Terre. Blablabla, tout ça, jusqu'au moment où Emmanuel Macron est élu président de la République et voilà. Edith Piaf est morte. Ah bon? Et là, le pangolin. Quand soudain, un pangolin. C'est un échec cuisant. Alors, les derniers chiffres nous disent que Stop raison. Covid a servi à alerter, à ce jour, 493 personnes. Alors, c'est... je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que... C'est pas un échec. C'est juste que ça n'a pas été un succès. À peu près. Les Britanniques, on est une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun est mobilisé. Pardon. C'est une application. Et l'on a regardé ce qui marchait chez les autres. Faut apprendre de nos erreurs. Anne-Sophie. Merci, Gilles. Merci à vous. Merci. Et nous y arriverons. Merci. Bonsoir. Merci. Très bonne soirée. Merci. À tous. Au revoir. Bonsoir. Merci. Au revoir. Le couvre-feu entrera en vigueur entre 21h et 6h à partir de samedi pour 4 semaines au moins. Pourquoi vous me parlez de minuit? Donc là, quand on dit vendredi minuit, ça veut pas dire jeudi à 24h plus une minute. C'est bien vendredi minuit. Donc c'est dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit pile, vous rentrez chez vous, vous faites un don sur ma chaîne pour le The Event. C'est bien ça. C'est bien ce qu'a dit le président de la République. Sinon, vous vous faites une soirée The Event tranquille chez vous samedi, on n'en parle plus. C'est une autre solution, Claire, tu as raison. Plutôt que de me faire chier avec ces histoires d'horaire, vous restez chez vous, vous lavez les mains avec du savon et vous faites des dons pour le The Event, bordel de merde, c'est pas compliqué. Putain. Y a une question pour toi, Denis. Quelqu'un qui demande, ça consiste en quoi la commission jeux vidéo dont vous avez évoqué tout à l'heure? Donc il y a un peu plus d'une centaine de groupes d'études à l'Assemblée nationale sur divers sujets. Celui du jeu vidéo et de l'e-sport d'ailleurs, qui globalise les deux. Le but, c'est d'avoir une veille sur les sujets en réalisant des auditions, des déplacements et des rencontres. Dans ce cadre-là, j'ai rencontré la team Vitality. Je suis aussi allé sur des événements en français e-sport, la Lyon e-sport par exemple. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir quelques vidéos que j'ai faites d'auditions. On a fait aussi un gros travail avec une collègue députée qui s'appelle Audrey Dufeu sur ce qu'on appelle malheureusement l'addiction aux écrans, l'addiction aux jeux vidéo, qui est plutôt la définition d'une pratique excessive. Donc on a essayé de caractériser déjà qu'est-ce qu'était cette pratique excessive, combien de personnes ça touche et qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour éviter que des personnes puissent souffrir de ce type de comportement. En fait, c'est pas d'addiction. Je rappelle que là-dessus, l'OMS est très clair, il parle pas d'addiction, mais plutôt de pratique excessive. Et la définition de pratique excessive, c'est plutôt l'idée que quand une personne joue trop aux jeux vidéo et que ça lui est néfaste, qu'il le ressent comme néfaste, il faut l'accompagner pour sortir de ce type de fonctionnement. Voilà, le jeu vidéo n'est pas un mal en soi, sauf quand du matin au soir, tu joues aux jeux vidéo et surtout que tu le vis mal. Faut que je vous raconte la fois où Jacques Chirac a failli faire planter un live sur ma chaîne. Une histoire abracadabrantesque. En octobre 2019, après les élections européennes, il y a la nomination de la Commission européenne et il y a au sein de la Commission européenne les commissaires européens qui sont nommés par le président de la Commission européenne, par le Conseil européen, qui sont proposés du coup au Parlement et le Parlement auditionne les commissaires. On avait un partenariat avec le Parlement européen en France pour faire une émission où on commente en direct ces auditions. Le Parlement européen a un bureau en France qui se trouve au tout début du boulevard Saint-Germain-des-Prés. Assemblée nationale, très jolie, Palais Bourbon, le frontispice, extraordinaire, machin. Là, vous avez cet immeuble-là qui fait l'angle. C'est le siège de la représentation en France des institutions européennes. C'est loin, mais c'est beau. Hein. Dans cette salle-là, ils nous ont laissé cette salle pour qu'on y installe le plateau. Et nous, du coup, on avait réservé le camion, on venait d'Ivry-sur-Seine. Moi, j'arrive en métro, là, par ici. Pourquoi je suis en train de vous montrer ça? Qu'est-ce qu'on s'en branle de par où j'arrive en métro? Donc, il est 8h du mat, je marche là, je m'allume une clope, je tourne à gauche pour arriver sur le boulevard. Et là, qu'est-ce que je vois en arrivant ici? Le boulevard est désert et surtout il y a des barrières qui longent comme ça tout le boulevard et il y a des flics. Et moi j'arrive, je comprends pas, je me cale ici dans ce café, sur cette petite table là, précisément celle-là. Je vais voir un flic, excusez-moi, quel est le fuck? Et le flic il me regarde, il fait c'est la cérémonie. Mais quelle cérémonie? C'est l'enterrement de Jacques Chirac. Et moi je suis en mode merde, c'était le jour de la cérémonie républicaine de la mort de Jacques Chirac aux Invalides. Je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. On est sur le parcours du cercueil, du coup toute la rue est bouclée. Et moi je suis en mode,
mode, mais attends, il y a l'équipe qui va arriver avec le camion. Ils vont le garer où, le camion? Le but de l'objectif pour nous, c'était quand même de garer le camion ici, là. Même moi, je ne pouvais pas traverser là. J'étais en mode, on va être obligé d'annuler l'émission. Fait chier, comment on fait? Moi, j'aimerais bien aller jusqu'au Parlement européen pour aller rencontrer les équipes du Parlement pour leur dire, hey, salut, bah, du coup, on a un problème et tout. Du coup, je suis au téléphone avec eux en mode, écoutez, on a un petit problème. C'est pas sûr qu'on puisse faire l'émission. Tu vois, c'était en direct le truc, c'était horrible. Et je vois une moto comme ça qui s'avance sur le boulevard devant moi, très discrètement. Et là, je tourne ma tête à gauche et je vois qu'en fait, il y a toutes les motos de la garde républicaine qui sont en train de tous avancer et surtout, ils sont en formation, bah, comme sur la photo que je vous ai montrée, en triangle. Et du coup, je me lève et en fait, je comprends. C'est qu'en fait, c'est le corbillard qui est en train de passer. Et je me lève et je me retrouve là, ici, là, devant cette bouche de métro. Et je regarde devant moi passer à 4 km/h le cercueil de Jacques Chirac. C'est ouf. C'est probablement la première fois de ma vie que je suis aussi proche de Jacques Chirac que je ne l'ai jamais été, tu vois. Et il est en train de passer devant moi à 2 km/h. Et donc finalement, donc le cercueil, donc du coup le cortège passe. Moi je suis là, tu sais, en silence, en mode what the fuck, le moment est absurde. Et finalement, je sais pas, il y a un chef de brigade qui fait bon les gars, allez, on dégage, on replie parce que là il faut qu'on aille accompagner le machin, le cercueil et tout. Et du coup, je peux passer. Et une heure plus tard, c'est bon, le camion a pu se garer. On a pu décharger le matos, on a pu monter le plateau et on a pu faire l'émission. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Notre logique, c'est d'empêcher les gens de mourir du virus. Et pour cela, il ne faut pas qu'il y ait forme grave. Et pour cela, il faut lutter avec efficacité, y compris quand c'est, hélas, contre certaines libertés de circulation, contre la diffusion du virus. C'est vital pour les Français. Bon, maintenant, faut conclure, s'il vous plaît. Pardon. Qu'est-ce que... Oui, non, je... président Gérard Larcher, il rigole pas du tout avec le temps de parole, par contre. C'est pas du tout Olivier Véran. Je demande à chacun de respecter son temps. Quand Gérard Larcher te dit de conclure, tu conclus. T'essayes pas de grappiller des secondes. Ça marche pas comme ça. Bonjour à toi, Tam. Oui, depuis tout à l'heure, on discute donc avec le chat sur Twitch. Beaucoup de questions aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, le sujet du terrorisme est abordé, oui. Le sujet du terrorisme qui inquiète beaucoup. On l'a dit, c'était une rébelle. Pourquoi ressortir la loi Avia ? Voilà les questions qui sont soulevées aujourd'hui. Super, merci beaucoup Jean. Jean, c'était juste une répète, hein. On te retrouve dans 2 minutes c'était et demie. C'était qu'une répète, hein. Tu m'as fait peur. Mais oui, je t'ai fait peur. Hein. La vache, tu m'as fait ah, super l'angoisse. Peur. Bah du coup, j'ai été bon. Ok, merci Tam, à tout ouais, à l'heure. Tu vois, t'as vu. M'a fait peur. En fait, c'était une répète. Ce que je vous disais, on est en avance, j'ai pas compris. Et là, dans mon oreillette, du coup, j'entends Tam, la journaliste, qui dit « Et alors, Jean Massier, qu'est-ce qu'ils demandent les gens sur Twitch ?» Et là, je suis en mode « Wow, let's go !» Bon. Mec, j'ai eu si peur. Et toi aussi, t'étais mort de trouille. Voilà. J'ai eu si peur. Eh, c'est la première aujourd'hui. Non, mais on se calme. Calmez-vous. Vous avez pas l'âge, nous, alors. Mais non, je sais. Eh, je suis bon en impro, quand même. Hein. Vous vouliez faire quoi plus tard, quand vous étiez jeune? Il faut définir jeune parce que ah, oui, j'ai non, oui, plusieurs non, ambitions. Ah, bah, dites-moi lesquelles alors. Non. Vous avez voulu faire quoi? C'était quoi votre non, truc? Non, après, moi, me dites pas sénateur, je sais que c'est pas vrai. Non. Mais puisqu'on est sur Twitch, moi j'ai eu une période où je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'organisais des tournois. J'ai eu sérieux une... Ouais, bien sûr. Ah, bah, il va falloir être précis alors. Non, mais ouais. Vraiment, racontez-moi. Très bien. Entre 2000 et 2003, j'ai monté une asso avec des potes sur Lyon et on organisait des tournois sur. Bah, la poste était Counter-Strike 1.6. Nice. Et StarCraft Cold War. Voilà, moi j'étais plutôt StarCraft. Voilà, j'ai organisé ça pendant 5 ans à peu près. Et puis après, j'ai repris mes études et donc il y a d'autres choses, quoi. Voilà. Donc le gaming, ça a fait partie à un moment de votre vie. Ouais, vous y avez réfléchi toujours un peu comme éventuellement un bout de carrière. Il y avait vraiment, c'était pas le niveau de maintenant, l'e-sport à l'époque, c'était la Corée du Sud et c'est tout. Et à part Elki, il n'y avait personne qui s'en sortait. Elki qu'on embrasse, évidemment. Ouais, ça m'a appris à organiser des événements, par exemple. Ouais. Qui m'a aidé après quand j'ai voulu organiser des meetings. Enfin, toi, tout ça, c'est lié. Je comprends. Les sénateurs ont rejeté la version du gouvernement, sauf que le gouvernement a demandé une deuxième délibération, parce qu'il se trouve qu'il y a des sénateurs qui se sont plantés dans leur vote. Bande d'imbéciles. Pardon. Je vous embrasse, hein, je vous aime beaucoup les sénateurs. Enfin, quand même, ça la fout mal. Et d'ailleurs, Olivier Véran a plutôt marqué des points au moment où il a répondu au sénateur Alain Milon, qu'il y a encore 15 jours, les sénateurs étaient en train de faire passer des amendements, de proposer au gouvernement de réouvrir les bars et les restos à Marseille, et que donc il y avait un petit peu d'hypocrisie de la part de certains sénateurs qui aujourd'hui reprochent au gouvernement de ne pas en avoir fait assez à ce moment-là. Sur ce coup-là, il faut reconnaître qu'Olivier Véran a marqué des points. Merci beaucoup, Jean. Bah, écoute, ça fait déjà beaucoup réagir les sénateurs en plateau. Il y a une deuxième délibération. Je rappelle qu'il y a eu une deuxième délibération, donc un autre vote qui a fait que finalement les sénateurs n'ont pas voté pour la réouverture des bars. Mais non, on n'est pas irresponsable. Des restaurants. Enfin, bon. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous y êtes allé un peu fort, hein, là, le chat. Ah, ça a réagi direct. Hein. Ah, non, ça rigole pas. Hein.
Excuse-nous, le Sénat. Les tabacs et les plans cul. Non, uniquement les tabacs. Vous n'avez plus le droit d'aller à votre date Tinder. Hein. Vous avez plus le... Non, mais c'est confinement, les gars. Hein. Putain, hey, commencez pas à négocier, je vous vois là. Vous êtes en train d'essayer de négocier. Est-ce que je peux aller voir mon plan cul? Non, c'est mort. Non, c'est confinement, c'est tout. Voilà. Vous allez retourner picoler devant votre écran en regardant mes streams. Hein. Je suis désolé. Ça va très bien se passer. Vous allez adorer, vous verrez. Est-ce que j'ai déposé ma demande de congé? Non, je vous ai pas demandé votre autorisation à prendre des vacances, c'est vrai. Mais je vous propose d'aller vous faire foutre. C'est à vous de me dire.